pouvez quitter le live, les gars, et lancer. Koken, tu peux lancer la game quand tu veux, si tout le monde est ready. Voilà, c'est abattre l'ennemi. Hein. Ça y est, bah, le GP, en vrai, il y avait de l'idée, mais tu vois, tu peux pas scale, c'est impossible. En fait, le temps que tu scale, t'as toutes tes tours qui tombent. En fait, si j'ai moins. Ouais, voilà, si je peux scale plus vite, si je pike niveau 11, il y avait de l'idée. Ok, c'est bon. Il y avait de l'idée, okay. Mais là. Ok, les gars, c'est bon, on est là pour abattre cette fois-ci. Là, on va leur faire la spéciale Challenger Corée. Alors, sache que tous les challengers qui ont joué Olaf ont perdu. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Mizantiel, Kitano et Stray qui a joué Olaf aussi. Battre l'ennemi. Attends, mais ça pique pas en face, ça triche là. Non, t'inquiète, ils réfléchissent. Oh, faut pique. M'envier là. Là, tu vois, j'ai un peu augmenté le level. Ok. Maintenant, si ça perd game 3, je vais devoir sortir. C'est pas la Fiora. Hein. C'est pas la Fiora. Mais je vais devoir sortir. Okay. Ah non, c'est pas la Fiora. Ça a déjà été fait. Ça, je peux pas me permettre de le faire. Ok, mais je vois ce que tu veux dire. Si ça perd, je vais devoir unleash quelque chose d'exceptionnel. Je suis très curieux de ce que tu vas prendre. En vrai, si tu gagnes avec Olaf, c'est big. Alors sache que l'Hydrovora c'est extrêmement forte dans le mode. Je sais pas si tu comptes en faire une ou pas du tout. Bien sûr. Ah bah bien sûr. Potent a vraiment été effrayant avec son Hydrovora. Ah bah là Hydrovora c'est pas le choix. Hein. C'était le plan. Alors qu'est-ce que tu penses de la compo? Explosé au sol. Alors là ils ont draft une bouse incroyable. Est-ce que des corps à corps 4 champions mêlés. Ah ouais, 4 champions mêlés contre Olaf plus No Burst plus... aucun DPS, le seul DPS c'est Yasuo qui va se faire one shot. On a une bouse en face les gars. D'ailleurs je te l'ai pas dit mais le top laner est un Iron 4. Mais non. C'était, en fait je voulais te faire une petite surprise, un petit plaisir pour la deuxième. C'est Oki Sushi? Non, c'est le... Renekton. Ludoc Decimus. Mon frère, comment peux-tu être stuck bronze 4 avec Iron 4. Un pseudo... Iron 4 avec un pseudo de grand guerrier? De roi Decimus. Decimus. C'est vrai que t'es bien là du coup. Hein. Alors le Wukong et Jungle, ouais, c'est un OTP Wukong Jungle, je me rappelle maintenant. Mais tu sais que là tu te feed, je pense que tu fais 1v9. Hein. Ah bah, ça tue l'adversaire. Mais c'est pas mon meilleur pick. Bah. Là tu vois, première game, j'ai joué en mode facile. Là, je joue en mode medium. Troisième game, c'est du full tryhard là. Je suis très curieux de ce que tu vas choisir comme troisième champion. Ne spoil pas, je veux pas savoir. Mais my dream, une petite Gwen. Voilà, je te le dis. J'aimerais bien avoir le champion dans le. Gwen ou Aatrox, je me régale. Je mange bien. Ça t'émote et tout, petit émote chat. Il y a joué, c'est cheaté en early. En plus, il joue Ignite et tout. Ça se voit, c'est un smurf. Il fait des émotes et tout, c'est de la triche. Quoi? Ah oui, mais il est à la trinité du top laner. Pourquoi il ward? Il n'y a pas de jungle. C'est sous-trinité du top laner. C'est juste pour que tu donnes la vision à toute son équipe. Il y a des wards, dis-toi qu'il y en a vraiment partout. Hein. C'est trop, hein. Il est vraiment sous-trinité du top laner. Oh là là, Star's Q. Ok. Ok. My dream, dommage. Dommage, j'ai comme ça une auto. Après le prochain. On parle de lane contre Yasuo en early. Parce que Yasuo c'est un peu cheaté. Avec l'état le tempo. Ok, on va lui faire la slow push 3 là. Into dive. Disponible dans la formation, je suppose. Ah, ça c'est un classique. Ça c'est un classique de la forma ça. Ça c'est un classique comme on n'en fait plus. Je te jure que si tu la gagnes, je mets heal 1v5 grâce à la formation dans le titre. Ah bah... Ok. Ah, c'est classique formation. Hein. Ça mange bien déjà. Je pense que mon objectif, ça va être de back soit avec bot, soit avec Tiamat. Ok. Je peux encore décider. Ah, peut-être le premier Olaf qui gagne, hein. La folie.
tout proxy. On va abuser du fait que les death timers soient très courts en early game. Pour mourir. Ok. Ça va être la stratégie. On va pas prendre de potions, je pense. On va juste prendre des épées. Tu vas pas manquer de la TP avec Olaf là? Faut voir. Peut-être c'est une erreur de jouer sans TP. Maintenant, ça me donnera des meilleurs fights. C'est à voir. Ok. C'est un choix qu'en effet qui est peut-être suboptimal. Il y a des compensations après. Il y a des compensations. C'est pas non plus noir ou blanc. C'est vrai que par contre, si t'arrives à te feed leur compo en 1v5 là, c'est vraiment gratuit. Hein. Je vais attaquer un creep. Il méritait. Ça commence à multiplier les haches. Azagi, dash partout. Mais est-ce que Azagi suffira? Je pense qu'Azagi va se faire des lettres. Let's go, la team est de deux. Ça va récupérer la vague de sbires. Même si ça meurt ici, on est niveau 4 et les death timers sont encore courts. C'est quelque chose que j'ai pas pu abuser avec GP. Mon champion était trop pur en early game. Mais on veut jouer les plaques, on veut jouer l'agressivité. Il a son flash. On est très patient avec la hache, ça c'est dans la formation également. Et on joue plaque maintenant, il nous faut des plaques. Alors attends. Lui il veut son kill. Il y a une folie là, non? Ah dommage, ça flash. En vrai t'es quand même big. Hein. Bon, tabi obligatoire contre leur composition. Okay. Je pense que bot ça reste quand même plus fort. Ok. Que rush de la straight AD. Ouais, t'as la MS en plus et les tabis sont forts. Ça me paraît plus intéressant. Y'a plus de wall. Je vais lancer ma hache en même temps qu'il lance sa tournade. Et ça fait... Ah non, dommage. Dommage. Ils ont pris très peu de plate au bot, t'es vraiment bien. Ah bah ils ont Senna, c'est sûr. Si ça pique de la merde en face, ça m'aide un peu. Hein. Ils ont le droit de jouer ce qu'ils veulent après. Hein. Je veux dire, j'impose pas les compos ou quoi. Ça touche. Ça mange, hein. Ah oui. Ah bah après, ils jouent ce qu'ils veulent en face, tu vois. Ça, y a pas de souci, mais... Ah oui, c'est de la merde. Oui, donc ça a prêté. Il aurait piqué un... Alors, est-ce qu'il sait faire le dash des raptors? Il y a pas de raptors. J'aurais bien essayé de faire le dash des raptors s'il y en avait. Je pense que dans l'idée, en tant que bronze, ce qui est peut-être le plus fort, c'est de jouer des trucs... Ouais, Malzahar, des trucs comme ça, non? Des trucs qui push beaucoup et qui ont des trucs no counterplay. Genre Ultimate Garen, pour moi, c'est S tier, tu vois. Ouais, je capte. Parce ouais, que Garen, c'est God tier parce que le mec a un execute, donc ça fait que vous allez mettre beaucoup de dégâts. Le mec, il va faire execute, il a du push, il a un peu de tout, tu vois. Ouais, tu peux pas jouer... En fait, le tchal peut pas jouer aux limites, du coup. Ça cancel ça. Ouais, je pense que tu vois que les bans, Garen c'est must ban. T'es obligé de ban Garen. Ah, même des Skarner, c'est chiant. Hein. Ouais, mais tu vois, ce genre de pick c'est. C'est ban. On lui a fait la 1-2 spéciale. le Renekton, il doit avoir trop la haine. Y'a pas de plante là? Ah, c'est ça, ça joue là, tu régales en vrai. Oh non! Moi j'y vais. Hein. Ah, j'ai grillé une auto, la hache. Aïe, je meurs dans ta trop souffrance. Ah, aïe. Après là, t'as full épée longue, la résine. Ok, pas de résine du coup. Ah non, c'est que des épées. Hein. Faut statcher les mecs là. Ok. Là, tu te sens à l'aise dans la game ou pas là? Ouais. Après niveau 7, là les death timers commencent à être plus longs. Là je pense que c'est le moment où il faut plus trop mourir. Donc une dernière mort ce serait fine. Ça touche. Oh il a... Oh, là, il est mort. Amène ton collègue. Allez, fais-nous le dash des raptors là. Montre-nous tes mécaniques, Azagi. Oh! Oh, il est trop fort, il smurf, hein. Mais tu prends toujours des smurfs. Hein. C'est grave de smurf autant. Hein. Regarde comment il smurf. Hein. Après, tu as laissé d'âge aussi. Ça fait, il est resté 45 minutes collé au mur. Il smurf, hein. C'est 100% smurf. Hein. Ça dégoûte. L'event dégoûte, les gars. Il y a full smurf en face. C'est que des mecs qu'on sent game. Vraiment, j'ai vrai. En plus,
Tu sais qu'il y a des gens qui vont vraiment croire que c'est des smurfs. Hein. Ça, ça dégoûte là. Ah mais toi t'es naufrage mon garçon. Je crois que tu n'as pas de Twitch fiston. Que fais-tu donc ici? Allez, ça commence. Tu t'es perdu. Le petit chaperon rouge s'est perdu. Bouclier. Non, non, il y a les Avengers. Oh. Ok, tiens, Matt. Ok, on scale, not bad, not bad. Bon, je pense que TP est mieux, je pense, quand même. Hein, ouais. Dans le mode de jeu avec le recul. Je pense que TP est mieux. Flash Ghost, c'est bien pour les fights. Mais je pense qu'avec TP, j'aurais pu déjà générer plus de ressources. Bon, après, je forfun un peu. Aussi. Là, à partir de là, t'as vraiment plus le droit de forfun. Là, faut vraiment que tu les massacres à partir de là. Ouais, ouais. Là, non, mais t'as son niveau 8, c'est. Tu peux plus mourir. Aucun stress sur le vecteur. Parce que là, tu laisses jouer depuis tout à l'heure. Niveau 8, tu peux plus mourir. Les Death Timers, ça commence vraiment à être long. Tu, ah tu ouais, peux clairement, plus te permettre de mourir. Là. Ça commence à devenir long. Les gars, le Yasuo, il est pas louche. C'est juste qu'il l'a laissé jouer. Je crois que c'est un OTP Yasuo, les gars. T'es payé à jouer au bronze. Allez. Il sait faire des dashs, hein, en tout cas. Hein. Il a les mécaniques. Toi, j'aurais TP, j'aurais pu catch cette grosse midwave. Quelque chose que j'ai pas fait et que j'ai pas dit, mais je jouais pour plaque, c'est OP. Hein. Parce que si tu peux choper plaque en early. Ouais, les plaques, ça te met trop bien. Sachant que tu n'auras pas. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais tu n'auras pas de shutdown sur toi, même si t'es feed, et t'auras les shutdowns d'objectif T2. Ah ouais. Ouais, ça rend le truc super fort quand t'arrives à T2. Oh non! Eh, ça manquait d'Hydra quand même. Hein. Bon, maintenant ça y est. Ça manquait d'une Hydra. Bon, maintenant j'ai mon item. Ah, mais je sais pas, tu vois, j'aurais dû prendre une TP parce que là, le fait que je l'ai qu'à 10 minutes, 10 minutes, c'est pas si rapide que ça. Hein. Je pense que si j'avais joué full farming avec une Hydra, avec une TP, j'aurais pu l'avoir minute 7, hein, cette Hydra. Bon là je suis activé, là je suis online. Bon, par contre okay. J'ai totalement gâché mon ultimate là. J'ai totalement gâché mon ultimate. Je pense que ma stratégie ça va être de les match hein. Là où avec VP c'est plutôt de mismatch. Ouais là faut que tu aies un petit que des corps à corps. Je pense que ma stratégie déjà, ça va plus tranquille. C'est ça. Je pense que ma stratégie ça va plutôt être de match hein. Ah il a appris maintenant, il fait des H maintenant. Il fait des walls direct. Wall. Il a appris. Bon je pense que la stratégie ça va être de loop pour des fights. Ok. À chaque fois qu'on a ultimate. Je pense que ça va être ça la strat. Allez je pense qu'il passe par contre. Ah après s'il arrive toujours à 3 sur toi. Ok. Ok, back to farming. Oh, le Yasuo, je t'avoue que le Yasuo, même moi, me paraît bizarre là. En vrai, no cap. Il me paraît un peu chelou, je vais te mentir. Il est pas bon ce type. Hein. Là, il y a eu. Ah y a oui, eu escroquerie sur la marchandise. Moi je vérifie tous les comptes un par un, je suis désolé, je peux pas gérer ce genre de truc. Hein. S'il a prêté son compte ou quoi, malheureusement. Y a pas de souci mon ami, c'est pas grave. On est tombé sur une personne mal intentionnée qui veut ruiner à ma réputation. Hein. Il veut porter atteinte au seigneur de la faille de l'invocateur. Je suis en quête pour devenir seigneur de la faille de l'invocateur là. On a le deuxième item. Là, ça va être exploit. Ça va être exploit. Ok, vas-y, ça part. Donc là, la strat, c'est de les mismatch en boucle. Quand on n'a pas notre. No. Pourquoi je prends une pink? Mais ça. C'est grave. Après. La strat, ça va être de les mismatch. Ok. Dès qu'on a nos tools, ça tue l'adversaire. Après, on a 13 minutes. Ils ont qu'une tour. Et ça se passe beaucoup mieux que la game d'avant. Ouais, clairement.
T'as pas un double Death Dance en plus vu qu'ils sont full AD? Ah bah là c'est Death Dance hein. Allez. Okay. Oula, je commence à bégayer avec mes clics là. J'ai bégayé ma souris, ouais, j'ai bégayé. T'enculé la tour comme on dit dans le milieu. J'ai vraiment bégayé avec ma souris là. C'est pas grave, c'est Feinstein, tu prends les clics. J'ai pas warm-up, c'est terrible là ce qui s'est passé avec les clics de souris là. Ok. Voilà, régène, votre vœu. Allez, c'est reparti pour un tour mon garçon. Oh, je m'attendais pas du tout à ce trail, la dinguerie. Après là t'as, t'es bien, t'as quand même deux items. Ils ont pris le Drake, ok. Deuxième Drake, de toute façon les deux premiers Drakes sont jamais contestables je pense hein. Non c'est en bas. On testera à partir du troisième. Après là où Ola va être moins bien qu'une Fiora, je pense que c'est vraiment en termes de split pushing quoi et de mobilité. Ouais. Ok, Rabak. En vrai, s'il perd, il devrait tenter avec Fiora. Ça n'a pas d'intérêt, ça a déjà été fait, mon frérot. Encore, si ça a été fait il y a longtemps, je veux bien, mais ça a été fait il y a 2 semaines. Pas d'intérêt. Ah ouais, Yumu s'est irrité. Elle a envie de courir. Hein. Là, si t'arrives à prendre des tours, tu vas être trop même parce qu'au niveau gold, tu vas vraiment. Tu vas pouvoir spike de fou. Ouais. Après, maintenant, je pense qu'ils t'attendent pour un V4, hein, je veux pas te mentir. Ah, ça m'évite, hein. Hey, dude. I'm kind of a big deal. Chug. Ok. Je pense que tu y as juste tout le monde. Ok, Big. Ok, ça part de là, chef, hein. Même c'est qu'on a plus d'ultimate pendant 30. Après là mon ultimate commence à être de plus en plus court en cooldown. Ouais de ouf et puis là tu es en train de vraiment de les massacrer. Hein. En fait la stratégie c'est de stall assez longtemps jusqu'à ce que les death timers soient assez longs et qu'on puisse push en fait. Là on peut pas push. Ouais, c'est impossible. Clairement. Je viens de les fumer, ils sont déjà up sur la map, ça push de l'autre côté. C'est pas possible. Y'a pas un monde où tu fais le bleu? Ah bah si là. J'ai un peu de bleu. J'ai le bleu là. Moi j'ai le droit à tous les objectifs ou pas? Ou genre ouais, grubs attends, et tout? Tu fais ce que tu veux toi. T'as le droit à tout. Ouais. Ah ouais? T'as le droit de faire un Herald si t'as envie, tu fais ce que tu veux. Tu sais qu'en vrai, je crois que t'es le deuxième à faire les rails, je crois que c'est Nugami qui avait fait les rails aussi. Challenge me guys. Après là le jungler il va venir, je vais me faire steal. C'était terrible, je pense pas hein. Je pense que c'est big hein. 600 gold là tu viens de prendre. En vrai les objectifs c'est vraiment broken. Le truc c'est quoi ouais, bon là, faut vraiment pas que je perde au cul. Faut pas que je perde une seule T3. Les T3 ouais. Faut des pas que en fait faut que j'arrive fight, à tenir. Ouais mais en fait s'ils veulent pas fight c'est compliqué quoi. Ouais clairement. Faut que je défende le plus longtemps possible jusqu'à ce que les death timers soient suffisamment longs mais en même temps que je me fasse pas au scale. Là où tu vois je pense que avec une Fiora tu te fais jamais au scale, c'est ça l'avantage. Après je pense pas que je me ferai au scale tu vois, j'ai quand même de l'avance mais il commence à avoir des objets, ça peut être bizarre un peu l'ambiance de la game. Après là pour le moment on est encore bien. Chug, chug! Bro!
C'est quoi ton quatrième item? Pas encore décidé, hein. Ce sera probablement de l'armure. Ok. Fais mon garçon. Ah mais il court trop vite avec ses célérités. Ah il a trop d'MS. Ça court juste trop vite. J'arrive pas à savoir si tu gagnerais un MV5 là. Pur. Ce serait intéressant. Ok. Ok. Tu flashes hein. Tu flashes. Merde, j'ai choqué mon... J'ai troll là. Je pensais que j'étais fine à... Hein. J'aurais pu garder l'ultimate un peu plus longtemps. On va mourir. Oh là, c'est chaud là. Ah la fausse, pour courir. Ouais. Ah, j'aurais dû flash instant. J'aurais dû flash instant, j'ai été greedy. Parce que je me suis dit... Si je flash, le truc c'est qu'ils vont s'en aller les autres. Ouais ouais. Et je voulais tuer tout le monde. Le truc c'est qu'ils peuvent juste jouer comme ça, tu vois. Ils peuvent un peu me drag un peu all around the map. Je peux pas faire grand chose par rapport à ça. Je pense ma meilleure strat ça reste level 16. Un fight dans la base et peut-être... Et après tu vas finir ouais, sur un push. Ouais. Après ce que là ils finissent. Ouais le truc c'est que si eux ils jouent pas... Non là ils finisseront pas mais si eux ils jouent pas c'est dur pour moi de... Ouais ouais bien sûr clairement. Tu vois. J'ai pas vu la vidéo avec Potent mais... Ouais Potent lui il allait en fait directement botlane. C'est pour défendre la botlane. Ouais mais non mais est-ce que les mecs jouaient? Ouais ouais pareil, bah ils jouaient pareil que là. Hein. C'est juste qu'il a pas donné de kill au début là, vraiment. Parce qu'en fait, donner des kills aussi, c'est les permettre de prendre de l'avantage aussi. Ouais, non, les kills en early, ça va. Mais c'est juste que j'aurais dû jouer TP moi. Ouais, là, je me suis paniqué parce que j'ai pas TP en fait. C'est vraiment en fait, le counter. En fait, s'ils veulent pas fight et qu'ils veulent faire full push, etc., juste tu joues TP, ça counter ça quoi. Et ouais. Là, le truc, c'est que. Après, tu peux en gagner un fight, tu leur mets 3-4 levels. Ouais, non, mais tous les fights je vais gagner, c'est juste que ben en fait ils jouent, les mecs jouent pas au jeu quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les mecs jouent pas au jeu. Antius il a fait cœur gelé. Après tous les fights je vais gagner quoi. Ça va être dur pourtant vous allez chercher une tour là. Ah ouais dans tous les cas ça va être dur pour les tourer. Après plus ils prennent des tours plus la base est petite quoi donc ouais. ça c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie des bonnes nouvelles. Tu vas faire un jump plutôt? Ah ouais. Ils ont du crit. Wow, ça va être dur. Ouais, je suis d'accord. Après, sur un mauvais dive entre les deux tours. C'est sûr. On va voir si ça passe. Ah, ça passe pas. Ah, c'est fin de game. C'est dur. C'est fin de game. Ah, Olaf, tu vois, c'est pas si facile en vrai comme champ, je trouve. Ah je pense pas que c'était Olaf problème là. J'ai pas de TP. Ouais ok. J'ai pas de TP. Frérot nice try hein. Franchement c'est là où tu te rends compte que tous ceux qui disent que le challenge est facile qu'il l'est pas du tout tu vois. Non le challenge est pas facile. Bah en vrai pour moi il y a deux gros problèmes dans le challenge. Déjà toi tu peux jamais être sûr que ce soit réellement des bronzes en face. Ouais après ça arrive. Nos mauvaises fois hein. Ouais bien sûr je suis d'accord avec toi. Mais que ce soit cette game ou la game d'avant il y a des joueurs qui sont suspects. Genre le mec ça peut être un bronze il a filé son compte tu vois tu peux rien y faire donc déjà au niveau des joueurs c'est suspect et je suis d'accord avec toi c'est vrai que même moi le Yasuo pour le coup après comme tu dis tu vois je vérifie mais comme tu vois comme tu l'as dit c'est impossible de savoir il y a jamais eu sur toutes les éditions de problèmes comme ça mais bon